et bien particulière, annoncement d'un nouveau concept qui durera pas, j'en sais pas. On va déjà essayer une première fois. Quel est ce concept? Alors je vous explique. Pour beaucoup de personnes connaissent le géocaching. En fait, ce sont des petits trésors dans divers contenants qui sont planqués dans n'importe où, n'importe quel, on va dire, endroit du monde entier. Alors ça peut être dans une église, ça peut être dans une pierre au niveau d'un mur, ça peut être en forêt, dans un monument historique, ça peut être dans un parc, ça peut être n'importe où, vous avez un trésor. Et en fait, vous avez une application sur votre téléphone où vous avez une carte, et là où vous êtes situé, vous mettez la position où vous êtes, et vous avez après, enfin moi le mien il est comme ça, des petits points verts, c'est là où il y a les géocaches, ça s'appelle comme ça, géo, géographie, on va tout ça, puis les caches, c'est des caches, il faut les trouver. Et donc on a une boussole sur notre téléphone, notre application, et plus on se dirige, plus on voit rapprocher ce point vert, et on découvre le trésor. On l'ouvre, on regarde ce qu'il y a dedans, et on peut prendre quelque chose et bien sûr remettre, ou même remettre quelque chose dedans, enfin mettre un moon, n'importe quoi, enfin voilà. Moi je me suis dit, j'aimerais bien faire quelque chose dans ce genre-là, mais qui est quand même un peu différent, parce que là ça sera pas d'aller le trouver, mon trésor, ça sera de l'envoyer dans plusieurs maisons, et ça sera entre plusieurs participantes qui ont bien voulu participer. J'ai lancé sur Facebook mon idée. Donc c'est vrai qu'au départ, tout le monde, il y en a beaucoup qui me disaient oui, mais sans savoir, sans comprendre. Donc j'avais fait une petite vidéo vite faite, et là j'ai dit je referai une grande vidéo pour expliquer bien sûr aux participantes, mais à celles aussi qui sont pas au courant, qui me suivent que sur YouTube, qui n'ont pas les autres réseaux. C'est ça qui est un petit peu aussi dommage quand je lance aussi un nouveau concept ou quelque chose comme ça pour participer. Mais si ça fonctionne, de toute façon, je referai la Géo Cash Din. Voilà comment je l'appelais, le concept. J'ai acheté une boîte. Alors, je vais déjà enlever ce qu'il y a dedans, parce que je ne voudrais pas que la première participante voit ce que j'ai mis dedans. J'ai acheté une boîte qui se présente comme ceci, où on a toutes les villes, on a du Rhum, on a Melbourne, Vancouver, Los Angeles, Milano, New York, Budapest, Grenoble, Monte Carlo, enfin voilà. J'ai trouvé cette boîte plutôt originale parce que vu qu'elle va voyager, c'était sur le thème du voyage, voilà. Je l'ai pris en plastique, je sais pas, parce que c'est beaucoup plus léger que le bois. J'ai pas trouvé ce que je voulais en faire, et c'est vrai que là c'est un peu précipité de le faire, mais moi j'aime bien, quand je crée quelque chose c'est tout de suite maintenant, donc j'ai pas trouvé la boîte idéale, on va dire, je sais même pas s'il y en a, mais en tout cas j'ai trouvé celle-ci, où j'ai préféré la prendre aussi en long, en plastique, là, vous voyez au départ elle se ferme bien, mais comme elle va passer dans 21 maisons à peu près, peut-être qu'elle se fermera plus, donc ça sera aux participants de surtout bien la fermer, de bien la couconner, de bien fermer le carton. Donc, cette boîte, je vais mettre un trésor dedans. Alors, ça est n'importe quel trésor. Du maquillage, une pierre, une nouille, ce que vous voulez. Voilà, ce que vous voulez. Le concept, c'est qu'en fait, qu'elle voyage dans plusieurs maisons et que c'est un moment de partage, un moment de sympathie, un moment où quand on va recevoir le colis chez soi, c'est d'ouvrir, de voir ce que les autres ont mis dedans, parce que je ne vais rien publier sur Facebook, parce que je vous ferai une vidéo à la fin, car cette boîte me reviendra à la fin. Donc là, je suis en train de tout mélanger, mais bon, bref. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans au niveau des participantes, c'est un seul objet. Je m'explique, je vais mettre un objet dedans. Là, je vais l'envoyer au Canada, chez une abonnée, Caroline, qui a bien voulu participer. Je me suis dit, la boîte va aller jusqu'au Canada. J'espère qu'elle ne va pas être perdue. De toute façon, toutes les participantes le savent, cette boîte doit être envoyée en colissimo. J'ai bien prévenu qu'il y aurait des frais de port et qu'au fur et à mesure, peut-être que la boîte serait plus lourde. Donc, elles m'ont toutes dit oui. Donc en numéro suivi, ce qui me permettra, moi, je vais créer le groupe avec toutes les participantes où elles me redonneront le numéro de suivi, moi aussi comme ça je pourrai suivre. Donc elles le donneront à celles à qui elles vont l'envoyer et elles me donneront à moi aussi. Mais ça, bon, je leur enverrai en message privé. Le principe c'est que je vous explique. Donc je vais mettre un objet. Donc là il va partir au Canada. Caroline, quand elle va ouvrir sa boîte, soit elle va prendre mon objet pour le garder en souvenir, soit elle va le laisser dedans. Et si elle veut le prendre, il faudra qu'elle le remplace.
Elle ne peut pas faire repartir la boîte vide d'une façon ou d'une autre. Elle prend mon objet, elle le remplace. Si elle n'en veut pas, elle est obligée, par contre, de rajouter un objet. Parce que mon objet, il ne va pas faire toutes les maisons tout seul. Non. Le but du jeu, c'est que chaque participante doit mettre un objet à elle. Alors, on m'a posé la question, est-ce qu'on peut prendre plusieurs objets ? Au début, je ne savais pas trop. Là, maintenant, je vous dis non, juste un objet, parce qu'on ne verra pas ce que les autres ont mis à la fin. Et c'est vrai que, bon, je pense que les filles ont envie que leur objet soit aussi dans la boîte. Mais s'il y a un objet qui nous intéresse, parce que, entre abonnés, peut-être que vous communiquez, peut-être que vous vous connaissez, que vous avez envie de garder ce souvenir de cet abonné-là, comme vous pouvez le faire, comme la Caroline, si elle veut garder mon objet en souvenir, dommage pour les autres, mais bon, tant pis, hein. Elle pourra, mais il faudra qu'elle remette un objet à elle. Donc ensuite, Caroline, elle va l'envoyer en France, parce que je n'ai pas d'autres participantes ailleurs. Elle va le renvoyer en France, elle va le re-renvoyer à une abonnée, et quand cette abonnée va l'ouvrir, elle va voir soit un objet, parce que Caroline aura voulu prendre le mien, mais elle l'aura remplacé par le sien, ou soit deux objets. Donc, soit elle pourra en choisir un des deux, ou soit eh ben, elle préfère laisser les deux, et il faudra qu'elle mette le sien. Et ainsi de suite. Et à la fin, cette box, j'ai bien dit à la dernière participante, parce que bah, c'est la dernière et il me revient, donc je trouve normal de faire partager les frais de port, parce que le colis sera plus gros. Donc si elle veut que je participe aux frais de port, parce que cette boîte va me revenir, il n'y a pas de souci, ça a été bien clair dès le début. Voilà. Je voulais dire aussi que ma maman veut participer, donc bah, elle aime bien aussi, donc je la mettrai pas en dernière pour pas payer les frais de port, non. Donc même elle, à m'en parler, elle sera dans le mouvement des abonnés, mais elle sera pas du tout la dernière, comme ça il y aura pas de soucis, il y aura pas d'histoire, ça sera tout en transparence. Si vous souhaitez d'autres vidéos pour que je vous en parle, des petites vidéos, mais ça sera très court, mais de toute façon j'en parlerai sur Facebook et sur mes réseaux, sur Snap, ça c'est sûr, je vous tiendrai au courant, faites-le moi savoir en dessous, parce qu'il y en a qui ne regardent pas YouTube et mes autres réseaux et qui ne sauront pas. Donc j'ai trouvé ce concept vraiment génial. Au début, il y a une abonnée qui voulait en fait faire un livre, je trouvais ça vraiment sympa aussi, mais cette idée-là, c'est Hélène LC qui l'a faite, et je n'aime pas spécialement copier sur... les copinotes, les youtubeuses ou d'autres personnes, j'aime pas du tout, parce que moi j'aime pas qu'on me prenne mes concepts, ou alors on me demande, il n'y a aucun souci, voilà, j'aime pas qu'on me prenne mes concepts, et là je me suis dit, non, c'est quelque chose qu'elle a créé, ça lui appartient, je préfère trouver vraiment autre chose. Et là je me suis dit, pourquoi pas ça, voilà. Donc on est 22 avec moi, participantes, et ça va être une aventure géniale. Donc cette boîte, dedans, il va y avoir... bien évidemment, comme je vous ai dit, mon objet que je mets à côté, que je ne veux pas vous présenter, j'attendrai, je vais le prendre en photo, là, avant de le mettre dedans et d'emballer tout, et j'attendrai que le colis arrive chez Caroline pour vous le montrer, soit dans lundi, il vient boire un café avec moi, ou sur mes réseaux pour vous montrer ce que j'ai mis dedans. Donc je le répète, il n'y a pas de budget, vous pouvez mettre 1, 2 euros de budget, enfin n'importe, c'est juste un petit truc. Vraiment pour déjà qu'il voyage, que ça soit un moment sympa et que pareil, ce soit pas non plus trop lourd, parce que bah, vous allez avoir le poids plus le carton plus tout ça. Voilà. La seule chose que je demanderai aux participantes, c'est vraiment vraiment de faire attention, de bien l'envoyer en colissimo, voilà, avec un numéro de suivi, de bien renfermer tout ça pour pas. Après, si la boîte, vous voyez qu'elle est cassée ou autre, mettez du scotch, c'est pas grave. C'est la boîte, hein, donc hein, j'ai envie de vous dire. Dedans, je rajoute, obligé, un petit calepin comme ça, où je vais mettre déjà un mot pour toutes et un mot pour Caroline. Et vous pouvez faire la même chose. Et je vais avoir vraiment le plaisir, j'ai hâte que tout revienne, de lire tout ça, que ça a voyagé, que c'est une grande carte postale en fait pour moi tout ça. Et ça va être super. Donc je vais bien remettre aussi le règlement dedans, et puis vous pouvez écrire ce que vous voulez dedans au niveau des participantes, il n'y a aucun souci, vous avez de quoi faire, hein, il y a de la place, vous pouvez dessiner, vous pouvez coller des choses, n'importe quoi dedans aussi, enfin vous verrez, ça vous appartient aussi, vous en faites ce que vous voulez, mettez de la couleur, ce que vous voulez, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça va être génial, j'espère que ça vous plaira aussi ce concept. Bien évidemment, c'est le numéro 1, si ça plaît,
pourquoi pas le refaire, et je le referai sûrement si ça plaît au moment de Noël. Et les décos de Noël, c'est pas spécialement lourd, donc ça peut être aussi sur le sujet de Noël, comment décorer son petit sapin. Oui, vous voyez, ça me trotte déjà, hein. Donc comment décorer son petit sapin, sachant que pour moi, Noël, je serai peut-être encore chez mes parents, je sais pas du tout, hein, parce que ben, vous savez tout, hein, donc il faut que je trouve ma maison maintenant, mais le temps que tout se mette en route, voilà, donc je sais pas encore, mais pour ça, on en reparlera, on verra déjà la première aventure de la géocaching. En tout cas, moi, je suis super contente de faire ce nouveau concept et que ça vous plaît. J'essaye vraiment d'apporter surtout du partage et un échange, de vous faire participer, parce qu'évidemment c'est une passion make-up, une passion beauté, mais vous m'apportez tellement au niveau de vos échanges, tellement au niveau de la communication, que c'est vraiment génial, et je me suis dit ça vous fait aussi participer vous-même, et c'est la chaîne de Zodine 41, j'aime pas 41, mais bon, au départ j'étais obligée, c'est la chaîne de Zodine, mais c'est aussi votre chaîne, et c'est grâce à vous que je suis là depuis 4 ans, et grâce à vous que je peux aussi partager beaucoup de choses, grâce à vous que j'ai aussi, j'en ai déjà parlé, des partenariats avec qui je me sens bien, mais qu'il faut que j'ai du partage aussi avec vous dans mes partenariats, et voilà. Et ensuite, quand vous me dites, mais tu n'as pas beaucoup d'abonnés, et ben, je fais pas ma chaîne pour avoir beaucoup d'abonnés, déjà le peu d'abonnés que j'ai, le peu façon de parler, parce que j'ai quand même 3400 abonnés, sachant qu'en plus, bah, YouTube, il a fait la chasse au compte qui était mort, que personne ne se servait. Donc, je me suis dit, c'est vraiment, vraiment cool. Et même là, je sais qu'avec mon network Brandbrand TV, où je, enfin, pour moi, je me sens bien avec eux. J'ai plein de choses à vous apporter dans mes tutos, aussi bien sur les images, les vignettes, les musiques. Enfin, tout ça, c'est grâce à vous. Et bien évidemment, grâce aussi à mes côtés, mes copinotes youtubeuses, quelquefois quand elles parlent aussi de ma chaîne, où là ben, ça fait connaître ma chaîne à d'autres abonnés, où j'ai plein d'abonnés qui étaient sur d'autres chaînes, qui sont arrivés sur la mienne et qui se sentent bien, et c'est un moment vraiment de partage, et c'est ce que je veux avec la géocaching, et j'espère que ça va marcher. Je vous fais plein de gros bisous, en tout cas je vous tiens au courant, vous me suivez sur Snap, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et puis les participantes, bah j'espère que vous allez vous éclater. Et déjà, je sais que vous êtes en train de chercher votre objet à mettre dans la boîte et c'est vraiment génial, c'est ce que je veux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen!